Aujourd'hui, on est toujours en Italie. Regarde un peu ce beau soleil qui nous illumine. Et ben, tu sais quoi, on va aller voir les nouveautés sur les showrooms extérieurs de chez Novabel. Bon, on va rejoindre Carlo ? Allez, c'est parti. C'est parti. C'est joli. Hein. Ah ouais, franchement, c'est super beau. Belle entrée. Bienvenue chez Novabel. Bonjour Carlo. Bonjour Carlo. Ça va bien? Vous avez fait bonne route, les gars? Vraiment bien. Merci pour l'invitation. On est content d'être là. Et moi aussi que vous êtes là. Je vais vous présenter toute la gamme Novabel, la partie intérieure, mais bien évidemment aussi la partie extérieure. Donc venez avec moi, on va commencer. Allez, on attaque. En dessous, j'ai hâte. Hein. Ouais. Venez les gars, là, il y a une très très belle nouvelle série qui s'appelle Les Bricoles. Les Bricoles, c'est donc une imitation de bois avec beaucoup de formats et quatre couleurs. Du coup, le décor, tu t'es inspiré sur quel bois? C'est un bois qui, à l'origine, d'où vient les noms italiens. C'est les pots qui soutiennent Venise, soit dans les maisons ou sur lesquels on peut attacher les bateaux. D'accord. Donc, c'est effectivement un bois très spécial. Il est vraiment marqué en veine, on voit vraiment les veines du bois en fait. Oui, effectivement, on a fait un gros travail à niveau technologique parce que le veinage, il est donné par un effet de matière sur les mailles. Donc, en contre-lumière, on peut vraiment dire qu'il ressemble beaucoup à un vrai bois. Et en plus, tous les petits trous noirs que vous voyez, c'est des imitations des petits vermis qui ont mangé les bois dans l'eau. On est d'accord que là, il n'y a pas les petits vers dedans? Non, c'est du carrelage, donc très résistant. On a rajouté aussi un format séparé, un chevron, qui est très, très demandé en ce moment. Donc cette série, elle existe aussi en 20 mm pour les extérieurs. On ira la voir tout à l'heure. Pour l'instant, je vais vous montrer une belle nouveauté. D'accord. On y va? Ah ben, c'est parti. On y va. Allez, on te suit. Ah ouais, alors là, c'est super joli ça. En plus, regarde, avec la lumière, on voit bien le relief. Effectivement, ici, on a fait une petite ambiance style salle à manger. Mais on peut bien se l'imaginer aussi dans une salle de bain, éventuellement à l'intérieur d'une douche. C'est une des dernières séries qu'on a lancées, s'appelle Landstone. Elle est inspirée en pierre calcaire, donc avec une légère structure et un dessin vraiment riche, qui a même un petit brillant en contre-lumière. Donc il ressemble vraiment beaucoup, beaucoup à la pierre. C'est très moderne, mais aussi intemporel, parce que les effets pierre restent longtemps dans les maisons. Et comme vous le voyez, on l'a mélangé avec des effets bois en mural. Donc c'est une nouvelle tendance. Ouais. Ce n'est pas des lattes de carreaux, c'est vraiment des grands carreaux. C'est des grands carreaux faciles à poser. On voit à peine le joint. On voit à peine les joints parce qu'ils sont faits avec une couleur qui va avec. D'accord. On donne une suggestion même pour la couleur des joints sur les catalogues. On a l'impression que c'est un palmo entier. Ouais. Ça donne vraiment un côté gai, très chaleureux en décoration. Ouais. Vraiment, ça se marie vraiment bien tous les deux. Allez, venez avec moi. Ça, c'est une nouvelle inspiration, c'est l'argile ou la terre comprimée, terre battue, qui était un ancien système de fabrication qui existe depuis la nuit des temps. Tu peux le voir, c'est pas un aspect qu'on voit d'habitude. Mmh. Il y a tout un petit mélange de couleurs dedans. Ouais. Il y a même des pigmentations rosées, ouais, jolies. Il y a du rosé, il y a du gris, il y a du beige. Mais cette typologie d'inspiration, après, elle est reportée sur du carrelage. Et c'est imprimé sur le carrelage. C'est imprimé sur le carrelage. Bon, écoute, ça serait bien de le voir en vrai. On y va. On n'est pas loin. Vous l'avez ici derrière. Ah ouais, donc voilà le fameux carreau où on retrouve tous les petits grains, t'as vu, vraiment. Voilà, effectivement, dans la série Chroma, on retrouve sept couleurs de base, on dirait presque des teintes unies, mais si on regarde bien, on retrouve, comme tu dis, tous les petits grains et même les petits reliefs de cette structure un peu spéciale. On a fait sept couleurs de base, plus on a rajouté trois couleurs qui sont en version ce que nous on appelle ramed. C'est un peu, si tu veux, la stratification de la même argile comprimée, mais coupée à la verticale. D'accord. On voit bien les réunions du coup. Ouais. Oui. C'est ça en fait. D'accord. Et là, on les voit bien dans différentes couleurs et dans différents formats. D'accord. Alors, les couleurs, elles sont choisies pour la déco ou je vais te poser une question bête, est-ce que le bleu, il existe vraiment? Non, le bleu n'existe pas. Effectivement, il a été choisi pour se coordonner avec une série qui s'appelle Wonder Space. Donc, une nouvelle série de presque faïence décorée qu'on a lancée cette année pour les murs. Regarde un peu la pigmentation rosée qu'on avait vue sur le cartel. Ouais. Elle me la retrouve ici.
Ah ouais, vraiment, t'es comme c'est bluffant. Maintenant, les imitations de travertin. Il est magnifique. T'as vu, il a un effet un peu patiné. Ouais. Ah, ça, j'adore. Franchement, c'est super en joli. Plus, regarde, le mur et le sol, c'est le même, mais on le voit complètement différent. Effectivement, les gars, c'est une série qui, en ce moment, c'est une des plus demandées. C'est les effets travertin. D'accord. Très à la mode en ce moment. Cette finition-là, que nous, on appelle spazzolato, donc c'est un effet vraiment brossé. Ça reprend un peu, si tu veux, les pierres d'église bien usées, ouais. Les deux finitions, comme on a vu ici, spazzolato, et la finition naturelle pour le sol. C'est bien, il y a deux finitions différentes, on peut les marier ensemble. C'est... Et la même chose, on peut faire pour les extérieurs qu'on verra ensemble en sortant. C'est bluffant, maintenant on pourrait se faire avoir entre le vrai et le faux. Mais on se fait avoir, ouais. On se fait avoir. Et enfin notre magnifique salle extérieure avec là, toute joli. La pose de 20 mm. Je viens vous montrer une belle nouveauté. Un nouveau format, les 120-120, dans la nouvelle série aussi qui s'appelle Keystone. Moi je dirais que c'est plutôt des cailloux récier, donc comme ça. Et on voit vraiment tous les contournements des cailloux. Et dans différentes couleurs, donc vous les avez ici. L'anthracite, le beige, le blanc. Il est vraiment nuancé, ouais. On dirait qu'il est poli. Il a une petite brillance aussi en contre-lumière. Je sais pas si tu as remarqué. Vraiment très belle. On n'est pas bien, Joël, non? Là, on est super bien. Faut pas nous laisser trop longtemps comme ça parce que je vais mettre pas longtemps à dormir. Moi, je commence déjà à baigner, moi. Hé, hey, les gars, vous êtes venus en Italie pour vous bronzer ou on doit travailler quand même un petit peu? Le soleil italien, là. Il va bien sur la peau. Ah, ouais, trop bien. Il vous manque que deux spritz, je vais les préparer. Ah, pourquoi pas. Allez, dai, on y va. Allez. Andiamo. Là, on voit nos effets bois, par exemple, la série Les Bricoles qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Donc, on retrouve ici dans les formats 30-120 en 2 cm. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, sur l'imitation bois comme ça, c'est que tu as l'esthétique du bois, mais sans les inconvénients. Tu n'as pas le traitement à faire et tout, et ça, dans le temps, franchement, ça reste et c'est facile à nettoyer, ouais, c'est hyper pratique. Et pratiquement toutes nos séries ont la version intérieure, extérieure. Donc d'accord. On joue beaucoup entre les in et les out. Ça c'est bien parce que du coup ça donne de la grandeur quand tu sors de chez toi, tu as l'impression que la pièce elle continue dehors. Elle continue dehors sur la terrasse ou vers ça, la piscine. C'est... À côté de ça, on a plein de pièces spéciales qui vont avec pour finir, pour embellir la maison jusqu'au bout. Par exemple ici, on retrouve ce qu'on appelle les couvertines. C'est vraiment du grèce rame recoupé avec la goutte d'eau d'accord. Pour compléter, tu vois, les murets. Ah, et la petite goutte d'eau, ouais. Pour éviter que ça salisse le mur. Ouais. D'accord. Moi, je pense que Carlo, il va nous faire découvrir des choses, mais incroyable. Ah, je pense. Allez, on va le suivre. Il y a plein d'autres pièces spéciales, comme vous pouvez voir. Ici, on a une marche palier, ce qu'on appelle. C'est une marche déjà préconstituée avec les quatre côtés complètement finis. On peut penser de l'utiliser pour faire un terrassement pour descendre de la maison. Ouais. Et donc, c'est des pièces déjà finies ou des blocs marche pour faire les escaliers. Des palissades aussi en grès cérame. Ça arrive tout près. Ça arrive tout près. Ça seulement à poser directement sur un terrassement déjà préparé de terre avec un petit peu de béton. Tu le poses et tu fais ton cheminement pour descendre vers ta belle piscine, par d'accord. Exemple. Ouais. Pleine de pièces spéciales Nova Belle. D'accord. Sinon, tu as un pas japonais, très sympathique, un effet arrondi comme ça. Une nouveauté aussi, c'est cette dalle avec des trous sur lesquels tu peux faire sortir la pelouse. Donc ici, on retrouve deux séries desquelles on a parlé. Là, c'est la limestone avec laquelle on a construit les blocs marche. Au sol ici, on retrouve la fameuse chroma. Tu peux voir encore en contre-lumière comme elle est belle. Ah, d'accord. Avec tous les petits brillantes et l'effet tridimensionnel de la terre battue. Et pour finir en beauté, tout ce qui nous manque, c'est à mettre des mobiliers sur lesquels on peut s'asseoir. C'est vraiment joli. Hein. C'est joli. Ouais. Donc des bancs, des sièges, des tables, et des pots de fleurs. Il y a vraiment de quoi faire avec cette matière. Bon, il est où, Carlo, là? J'arrive. J'avais promis un apéritif, donc on s'est fait un pot de boule à l'italienne. Voilà pour toi. Merci. Merci à vous. Hein. Merci à toi de nous recevoir, en tout cas. Merci de votre visite, les gars. C'était très gentil d'être venu visiter notre expo Nova Belle. Ah, vraiment, sur les extérieurs, vu tout ce qu'il y a, ça m'a donné plein d'idées pour faire ma terrasse. C'est bien, vraiment, je suis content. Ouais. Et moi, l'idée des palissades pour mon mur, franchement, je suis preneur. Eh bien, on est là pour vous. Donc, merci encore de votre visite. Merci à toi. Merci à toi, en tout cas.